Et donc, bonjour à tous, c'est Antoine74410 et on se retrouve aujourd'hui sur SimCity 5, sur Las Vegas, notre jolie petite ville avec nos deux superbes casinos. On va donc aujourd'hui continuer avec l'épisode 16, il me semble, je crois que c'est l'épisode 16. Et oh, magnifique petit casino qui va pas tarder à être rentable. Qui ne va pas tarder à être rentable, en tout cas celui-là l'est déjà beaucoup, ouais, il me semble, c'est impressionnant. Et la dernière fois j'ai vu que l'on pouvait faire un siège de jeu, c'est génial. Excusez-moi, la dernière fois j'étais un petit peu fatigué, donc j'ai pas forcément été hyper enthousiaste pendant ma vidéo. Je m'en excuse, j'espère que ça vous a pas trop dérangé et que vous avez quand même apprécié la vidéo. En attendant, aujourd'hui je suis en pleine forme et je suis là pour vous pour continuer notre série de sur SimCity. Alors voilà, j'ai posé le siège de jeu, ce qui va nous permettre, ça nous rend accès donc au casino coquet, au casino futuriste, au casino romain, enfin au casino élégant. Alors on va attendre déjà d'avoir, non en fait j'en sais rien, non. On va peut-être détruire celui-là et faire en faire un autre direct. Casino coquet. Ouais, non, en fait je sais pas ce que je vais faire là. Parce que le casino romain c'est bien, mais il faut quand même beaucoup de joueurs de richesse élevée et ça c'est quand même un gros souci. Tandis que là c'est plus équilibré, c'est plus des classes moyennes. Donc je vous propose de détruire celui-là et de mettre un casino coquet à la place. C'est ce que l'on va faire tout de suite. Est-ce qu'il y a moyen de le mettre ici? Non. Eh bien, où est-ce qu'on va le mettre? On va le mettre... on va faire un truc assez classe, hein, parce que les casinos, j'aime bien quand c'est bien glace. Quand c'est joli, quand c'est beau, quand ça rend bien. Donc on va essayer de les faire quand même assez éloignés l'un de l'autre. Voilà. Et tout de suite, je suis un petit peu enrhumé, excusez-moi. On va mettre un salon de poker. C'est quoi comme richesse? Oh, c'est faible, c'est pas grave. Ils seront contents. Ils seront contents. Et tac, un peu élevé. On va mettre encore un peu élevé. Et après, j'aimerais bien me spécialiser un peu dans ces choses-là. Là, les autres, la division hébergement. Alors j'ai trouvé ça drôle parce que on m'a signalé, pas forcément en commentaire, mais on m'a envoyé des messages que c'est vrai que en face de l'aéroport, l'église gothique rendait... enfin c'est assez rigolo, assez drôle. C'était pas forcément ce qu'il y avait de plus banal. Donc bah écoutez, je trouve ça sympa de faire un truc un petit peu original, donc on va laisser ça comme ça. Je pense que par la suite j'étruirai la cathédrale Saint-Basile pour mettre un monument qui attire plus de touristes. Parce que c'est pas que ça ne suffit pas, mais c'est mieux si on arrive à en avoir plus. Si vous voudrez, si vous voulez absolument un lieu de culte, vous me le signalerez, mais moi je veux pas pour le moment. Enfin, c'est seulement si vous le voulez en fait. Moi je n'ai pas spécialement envie. Ouh là là, c'est plein à craquer ces trains. C'est bien, c'est bien. Et on gagne 15 000 par heure. Oh là 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 là, c'est impressionnant. C'est impressionnant. Bon, le casino coquet pour le moment, on perd de l'argent avec, mais c'est normal. C'est le début. Ça va venir tout doucement. Je m'inquiète pas pour ça. Est-ce qu'on n'aurait pas oublié des arrêts de bus? Non, c'est parfait. On a 22 000 passagers par jour. C'est exceptionnel. J'ai jamais vu ça dans une ville. Ouais, c'est assez génial. J'ai eu un commentaire aussi pour participer. Il y a quelqu'un qui m'invitait à participer à une petite région de SimCity. Alors j'imagine que ce serait filmé, enfin je sais pas trop. J'attends d'avoir plus de nouvelles. J'ai envoyé un message sur Skype à cette personne. On a encore beaucoup de problèmes de santé. C'est parce qu'on a notre clinique la dernière fois nous l'a fait payer puisqu'on n'en avait pas. Et là on n'a plus assez de place. Donc bah adieu le... Adieu le petit immeuble, je t'aimais bien. Ok, on y reviendra s'il le faut.
Je pense que dans cette ville, on aura besoin d'un grand commissariat à un moment, parce qu'avec les casinos, etc., ça deviendra très vite obligatoire. Je le pense, j'en suis presque même sûr. Même si je veux pas trop m'avancer, hein. Niveau, on va peut-être ajouter des voitures quand même, parce que nous sommes quand même dans une ville où l'argent spécule. Et j'aimerais pas avoir des soucis de criminalité. Que faire, que faire? Il y a déjà des embouteillages. Bon, ça va, c'est assez léger. Enfin, non, c'est pas léger en fait. Oh, ça m'embête un peu ça. J'aimerais bien faire un parking pour les gens qui rentrent. Parce qu'il y en a que pour les gens qui sortent. Enfin, je veux pas dire, mais ça sert pas à grand chose en fait. Voilà. Voilà. Donc pour le pack, le DLC SimCity Ville de demain, je vais me le procurer. Je sais pas quand, mais je me le procurerai sans doute. J'ai bien envie de tester un petit peu tout ça. Là on va faire une route là parce que ça suffit pas pour moi. Tac. On va mettre commerce ici un petit peu. Après résidence, 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 résidence. Je pense qu'il y a moyen que ce soit une ville où on ait beaucoup de résidences et donc beaucoup d'habitants. Ça promet d'être assez sympathique. Peut-être faire aussi un entrepôt là, un terminal de marchandises pour les entreprises qui sont là donc. Même si je pense qu'elles n'ont pas beaucoup à exporter puisque vous voyez bien le nom, il y en a quand même pas énormément. Ah, ça me fait plaisir de revenir sur SimCity là avec vous. Alors là, bon, vous voyez, ça se développe tranquille. Il y a des embouteillages sur cette route, mais on s'en fiche puisque bon, on va dire que elle n'était pas faite pour, mais presque. Elle était pour désengorger le centre-ville, ce qui pour le moment marche bien, puisque on n'a pas de soucis de circulation dans le centre-ville. Donc, je suis content. On a un revenu horaire, c'est exorbitant, c'est génial. Alors, qu'est-ce qu'on pourrait se faire comme bâtiment? Alors oui, dans l'autre ville, la prochaine ville qu'on fera, ce sera donc bâtiment français. C'était le premier commentaire qui m'a été proposé. Donc, ce sera bâtiment français. Vive la France. Alors, touristique moyen, 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 élevé. Élevé, 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 élevé. Je sais pas. L'avantage de l'Opéra de Sydney, c'est qu'il coûte pas cher et qu'il a un attrait touristique élevé. Donc je pense qu'on va faire ça. C'est pour varier un peu parce que bon, quand on reste dans les... Dans les Tours Eiffel, Arc de Triomphe, Porte de Brandebourg, Big Ben, etc. On s'en lasse je trouve, donc changer un petit peu, aller un petit peu dans l'originalité, ça me plaît bien, donc on va faire ça. Et vous, ça a l'air de vous plaire aussi, puisque bon, c'était assez positif les réactions à propos du Kölner Dom. Donc on va rester là-dessus, et on placera donc l'opéra de Sydney. Voilà, en plus on pourra faire des événements. Ça sera tout bénef. Waouh. J'ai un léger freeze. Parce que j'ai pas un ordi surpuissant non plus, alors bon. Moi je fais bien tourner SimCity, mais pas quand même pas avec les graphismes au max. Hein. Même plutôt élevé. Fermé pour coupure d'eau. Alors oui, j'avais dit à Théotime que je m'engagerais à fournir l'eau. Je pense qu'on va s'en occuper ici. Puisque de toute façon, on va pas avoir la place ailleurs et on va détruire la route qui est derrière. On en profite tant qu'il n'y a pas trop de bâtiments. Et eh bien, on va upgrade. Et à côté, on fera donc la station d'épuration. Voilà, ça fera pour la région.
On va mettre les eaux usées également. Est-ce que j'ai le truc d'eau usée? Je crois pas que je l'ai mis, donc on va en mettre un. En plus, on était dans une situation assez critique, donc ça tombe bien. Hop, allez, c'est parti. Hop, hop, et on va même en mettre un quatrième. Comme ça, Théo Team pourra en profiter pleinement. Voilà. Alors ça déjà, vous verrez, dans la région, ça devrait avoir un petit impact. Et ouais, j'aimerais bien qu'il rajoute un réacteur, parce qu'à 72 mégawatts, 74 mégawatts, ça va être chaud pour tenir encore un petit moment. Surtout que notre ville, la vitesse à laquelle elle se développe, ça va quand même très très vite. Bon, il n'y a pas trop de marchandises exportées, j'ai l'impression. On verra. Classe pleine. Tu m'étonnes, je crois que j'ai qu'une école primaire. Je veux bien te croire. Alors, hop. D'accord, en fait, c'est ça qui nous manque. C'est de l'éducation. Alors, on va faire ça tout de suite. Et on va remettre... Ah, pourquoi j'y ai pas pensé plus tôt? Je pense vraiment à rien. Vous m'excuserez. Je sais pas ce que je fais pendant mes épisodes, des fois. Mais je me demande si je suis toujours là. Hop. C'est ce qu'il y a de plus chiant, je trouve, de poser les arrêts de ramassage scolaire, puisqu'il faut tout le temps y penser, c'est rébarbatif, mais... Il le faut. Dans toutes les villes du monde, c'est la même chose. Enfin, si, les villes ont une éducation suffisante, ce qui n'est pas le cas. Ce qui n'est pas le cas. Alors, hop, là, on va faire le lycée. Comme on avait oublié de raisonner, hop, on va faire ça. Je pense qu'on va très vite rajouter une classe puisque ça ne suffira pas. Et on va mettre tous les bus disponibles, ainsi que le petit panneau et le drapeau qui va bien. Voilà. Et là, là, là. Alors, on est quand même à 61 000 habitants. Ça fait un joli petit pactole d'habitants, tout ça. Service de pompiers sont loin. Et ben, on va rajouter. On va en rajouter un, voilà. Voilà. Alors n'hésitez surtout pas à commenter, à me dire vos avis à me donner vos avis sur la ville. J'aimerais bien en avoir plus, mais je sais déjà que vous n'êtes pas beaucoup à regarder. Alors, enfin, vous n'êtes pas beaucoup. Pour moi, c'est déjà bien, mais voilà, les commentaires, c'est vraiment, je trouve vraiment ça génial, puisque c'est là qu'on sent que les gens réagissent à ce que tu fais. Alors on va faire la maison du maire puisqu'on les a pas, on l'a pas faite, on l'a pas mise dans les autres villes. Je pense que certains de s'arracher les cheveux devant leur ordi lorsqu'ils ont vu la vidéo. Et bien voilà, je vais juste niveau des arrêts de bus, il en manque un devant le lycée. Là ça va. On a déjà regardé en début d'épisode, il me semble. Alors je fais n'importe quoi. Et on va mettre une grande gare routière parce que là ça ne suffira plus. Vu tous les touristes que l'on va avoir. Mais j'aimerais bien mettre l'opéra de Sydney avant. Donc on va faire ça tout de suite. Hop, on détruit la cathédrale Saint-Basile. Excusez-moi pour ceux qui l'aimaient bien. Mais bon, à un moment il faut choisir, hein. Moi je trouvais ça plutôt sympa l'idée de garder la cathédrale à côté de l'aéroport. Et ouah, c'est énorme! Oh mon Dieu! Ah d'accord, mais ok, carrément quoi. Ok, je m'y attendais pas du tout, mais alors pas du tout. On va le mettre là. Oh là 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 là, c'est quoi ce monstre de bâtiment? Waouh. J'espère qu'ils seront satisfaits, hein, parce que... Par contre, il est magnifique, hein. Rien à dire, il est super beau. Mais qu'est-ce qu'il est gros! Qu'est-ce qu'il est gros, c'est incroyable. Eh bien, c'est une jolie ville. C'est une jolie ville. Tiens, on peut déjà améliorer la maison du maire. On va mettre le petit drapeau pour commencer. On va faire dans l'ordre, hein.
Ah, ça va pas là. Bon, ça va venir tout doucement, espérons-le. Surpopulation. Alors, on va remettre une cellule à l'étage. Voilà. J'ai aucune idée de combien de temps ça fait que j'ai commencé cette vidéo, mais bon, j'imagine que ça va être bien, ça fait au moins largement 10 minutes. La dernière fois, je vous ai fait une vidéo de 22 minutes. J'espère que vous avez apprécié, parce que bon, moi, le montage derrière, c'était la galère. J'ai un problème, je dois faire plusieurs rendus à chaque fois avant que ce soit le bon. Faut vraiment que je règle ce souci. J'ai un copain informaticien qui se nomme Blood74, pour ceux qui ne le connaissent pas. Non mais je rêve ou j'ai pas de dés. Oh là 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 là, catastrophe. Alors veuillez, franchement je m'excuse, ça ne m'était jamais arrivé d'oublier une décharge. Mais n'oubliez pas d'oublier d'en placer une volontairement, d'oublier. De mettre une décharge. Ah, c'est pas croyable. Ah là là. Bon, je me rattraperai autrement. Ah, il y a du monde quand même sur les routes. Hein. Il y a du monde là, alors aux heures de pointe. Enfin, c'est normal. C'est normal, mais à un certain point. Quand même, il y a des limites. On va augmenter cette route parce qu'il y a quand même toujours du monde. Le casino a besoin de monde. Je pense que ça joue un petit peu sur son rendement. Sur ses bénéfices. Je pense qu'à des endroits... Oula, c'est joli ça. Ça change un peu. Un hôtel, tiens. Ah, les hôtels vont sortir de terre d'un coup avec cet opéra. Attends, on va pas programmer un événement tout de suite parce qu'on va être perdant. Je voulais faire quelque chose à part mettre les bus avant. Qu'est-ce que je voulais faire? J'ai pensé à quelque chose, mais j'ai oublié. On peut améliorer la maison du maire. C'est sûr que si ça vient toutes les 2 minutes, je vais pas y arriver. Qu'est-ce qu'il me dit lui? Mobile de mairie disponible, je m'en fous. Service de pompiers sont lents. Non, c'est bon. Bon, on va en rajouter un pour vous faire plaisir. Non, on peut même pas, donc comme ça, c'est fait. Est-ce qu'on a beaucoup de bâtiments abandonnés? Non, on n'en a que deux. Eh bien, excusez-moi, je parle pas trop, mais j'ai réfléchi, j'ai aucun moyen de me souvenir de ce que je voulais faire. Oh, c'est pas croyable ça quand même. Alors, on va augmenter les routes, c'est ça que je voulais faire, augmenter la densité de certaines routes. Alors, on va faire ça comme ça dans cette vue-là, comme ça on saura lesquelles améliorer. Hop, hop. Voilà, vous voyez que ce premier gratte-ciel de bureau, ça va arriver très très vite. Bon là, c'est pas encore évolué comme je veux. Par contre, ici, on va pouvoir mettre de la densité élevée, ainsi que tout autour de notre petit rocher, une petite colline privée. Ça m'était jamais arrivé de faire une ville avec... comme ça, une montagne au milieu. Je trouve ça joli. Au final, ça rend pas mal. Ça change un peu des autres villes plates ou... Voilà. Où est-ce qu'il y a moyen de faire évoluer? On va même augmenter celle-là, tiens. Et augmenter... Non, on va pas augmenter ça pour le moment. Voilà. Eh bien, écoutez, pour le moment, ça ira. Je pense qu'on va mettre des bus et se quitter, puisque ça doit faire un petit moment qu'on tourne ensemble. En ce moment, excusez-moi si vous n'avez pas énormément de vidéos, mais je suis très 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 occupé. Mais j'essaie de vous en mettre quand même minimum 2 par semaine, c'est minimum syndical. Voilà, bon, on n'aura pas pu faire de bénéfices avec ce magnifique casino coquet, tiens, bon bah on va... On n'a pas besoin de ça pour le moment, donc on va les enlever. Mais espérons que la prochaine fois, nos efforts commenceront à porter leurs fruits. Et sinon, je vous souhaite de bien
vous porter jusqu'à la prochaine fois que l'on se verra. N'hésitez pas à commenter, à vous abonner, je vous dirai jamais assez, parce que ça me fait ultra plaisir mettre votre petit j'aime, comme d'habitude, pour me remercier. Ça me motive à faire la suite, vous imaginez même pas. Quand je vois 4 j'aime sur une vidéo de 20 vues, ça veut dire qu'il y a 4 personnes qui ont pensé à, bah, tout simplement à moi déjà. Alors, enfin, c'est super quoi, faut continuer comme ça. Je pense que la chaîne commence à avoir de la gueule, à prendre un petit peu d'ampleur. Et je pense qu'on est capable de faire de grandes choses tous ensemble. Voilà, j'ai rien d'autre à dire. Encore surpopulation, qu'est-ce qu'il me veut lui? Ouais. On verra la prochaine fois. Et bien sur ce, juste avant, je vais regarder le lycée parce que je vais pas supporter sinon, subissant. Ok, c'est parfait. Et on va se quitter sur l'amélioration de notre hôtel de ville et l'amélioration de notre maison du maire. C'est parfait tout ça. Eh bien, on place cette petite statue sur le toit de notre magnifique maison, puisque pour moi, vous êtes maire avec moi, hein, y a pas de doute. Et notre magnifique gratte-ciel qui vient de sortir de terre avec notre opéra de Sydney juste en fond. Ah, c'est superbe. Franchement, j'aurais pas pu rêver une meilleure fin d'épisode. Sur ce, je vous dis à la prochaine, en espérant que vous ayez bien apprécié cette vidéo. Et à plus tout le monde. Ciao, bye bye!